Hey, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo, point de croix. Je fais une toile de chez VIP Cross-Stitch. Donc, je vous rappelle l'image, je l'avais commencé avec vous. Donc c'est cette petite femme licorne. Donc là, j'ai fait toute la zone du bas, là, elle a mis le semblant de carré là. Et j'ai fait du 1, 2, 3, 4, 5, 6, du 6 sur 1, 2, 3, 4, du 6 sur 6. Voilà. Donc là, je vais compléter, j'ai déjà complété une colonne. Donc là, je suis partie en ligne. Où est-ce que je vois? Je vais le mettre là. Donc là, je vais faire avec vous ce que l'on voit en vert ici, donc la 13e couleur. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé, que je ne vous dise pas de bêtises puisque je l'ai écrit le 3 janvier. Je n'ai pas avancé énormément. On est le 18 quand je vous fais la vidéo. Je n'ai pas énormément avancé dessus. J'ai pas besoin de me servir du patron puisque on voit très bien les symboles, et je vois très bien aussi sur mon tableau, sur le côté, les chiffres par mes DMC. Ensuite, j'ai pas à me plaindre du fil, de l'aiguille, tout ça, j'ai rien à dire. C'est vraiment super. Et franchement, l'impression est vraiment nickel par rapport au bonhomme de neige où j'avais des couleurs qui se ressemblaient, enfin, où je voyais pas les symboles correctement sur le patron, enfin sur la toile. Donc, il fallait que je prenne le patron pour pouvoir faire ma toile. Donc là vraiment c'est nickel. Là, comme ça, je sors moins de matériel. Mon fil, mon tambour, quand je veux mettre mon tambour, mes ciseaux. Et puis c'est bon. Je ne sors rien d'autre. Je ne sors. J'ai la feuille sur le patron, là, sur une feuille d'imprimante. Mais je ne m'en sers pas, j'en ai pas besoin. Ensuite, je vais faire l'intérieur. Déjà, je voudrais clôturer l'intérieur. Et pour ensuite, je ne sais pas si je vais y aller en montant ou si je vais y aller vraiment par bande. Mais pour l'instant, première chose, faire l'intérieur du carré. Hop, mince. Vraiment, la première des choses, c'est vraiment faire l'intérieur de mon carré. J'ai pas trop de confetti pour l'instant. Je reste beaucoup dans les tons bleus. Je reste beaucoup dans mes tons bleus. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai passé. Ah, voilà. C'est ça qui ne va pas. Hop, c'est le petit fil que j'ai laissé pendre qui ressort, que j'ai fait rentrer. C'est pas grave. Hop, je coupe. Et c'est bon, on n'en parle plus. Pas beaucoup de confettis, mais pour l'instant, en même temps, pour l'instant, je suis là au niveau de la ici, au niveau des cheveux bleus, donc j'ai pas beaucoup de confettis en haut. Je pense pas en avoir plus que ça, franchement. Je ne pense pas en avoir plus que ça en haut. Tac. Donc, ouais, il faut vraiment que là, enfin, je me presse pas à la finir. Je verrai quand elle sera finie. Je prends mon temps. J'essaye d'en faire un peu tous les jours quand même, mais je me dis au moins un carré, c'est déjà bien. Si j'arrive à faire un carré par jour, je suis déjà contente. Un carré, pas un grand carré comme ça, mais vraiment les petits trucs, les petites démarcations qu'on voit. Si j'arrive à en faire un, je suis contente. Donc, je vais faire à mon rythme, à mon temps. Voilà. J'ai commandé deux toiles personnalisées en point de croix. Normalement, elles sont livrées en une dizaine de jours. Donc, eux, ils estiment que je vais les recevoir le 26 ou le 27 janvier. On verra. Donc j'ai pris deux toiles personnalisées. Une qui ira à mon fils et puis une qui ira à je sais pas à qui, puisque. Mais c'est juste parce que j'aimais bien l'image. Donc elle finira. Je la capturerai en souvenir.
Mais c'est parce que l'image va me plaisir, il faudrait que je trouve l'autre personnage comme ça. Ça pourrait être sympa. Donc, hop. Donc ouais, j'ai hâte quand même de les recevoir. J'ai hâte de recevoir tout ça. On verra. Hop, l'autre ira mon fils aîné. Il m'a déjà dit c'est pas moi qui fais, parce que c'est rempli de confettis. Et effectivement, c'est bien rempli de confettis. Les deux, je dirais, mais une plus que l'autre. Mais à croire que j'aime bien tout ce qui est prise de tête, puisqu'entre les fonds qui sont unis et que je me mange que du 939 ou du 310 et mes confettis, bah, je pense que j'aime bien tout ça. Je suis attirée en tout cas par tout ça. Donc là, c'est, je vais jouer beaucoup sur des tons bleus en bas, sur les tons ouais, roses un peu en haut. J'ai hâte de voir quand même le résultat final. Même hâte de voir ce que ça va donner. J'ai rangé ma petite image comme ça du bonhomme de neige fini, je sais même plus où. Je voulais les coller dans mes cahiers pour voir pour les images que j'ai faites. Ouais, je la retrouve. J'ai dû la ranger comme ça dans un tiroir. Je me suis dit c'est fini. Hop, je la range, je la colle pas parce que je l'ai fini tard. Je me suis dit, je la range, je la collerai, puis je l'ai pas faite. C'est pas très malin, mais bon, c'est pas grave. On verra. Voilà, je voudrais faire un peu comme le diamond painting, mettre l'image et mettre quand est-ce que je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai fini. Mais là, le bonhomme de neige, je pourrais pas mettre. Quand je l'ai commencé, ouais, je pourrais mettre quand je l'ai fini, mais pas quand je l'ai commencé, parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que je l'ai commencé. Je sais, je l'ai commencé, je l'ai laissé tard, je l'ai laissé en plomb. Là, je sais que j'en ai commencé une en avril 2021 et que j'ai laissé en plomb depuis tout ça. Ça va faire, si j'y retouche pas avant, ça va faire un an, mais je vais essayer d'y retoucher entre deux quand même. Je pense que je vais faire celle-là et puis je vais entre-temps, entre deux, je me mettrai sur l'autre. C'est ma toile voyante et c'est la toile en même temps d'apprentissage de mon fils puisqu'il a voulu apprendre. Donc je lui ai appris là-dessus. Après, j'attends mes abonnements aussi, mon abonnement Disney. J'ai pas commencé mon Tigrou parce que je voudrais avoir tous les films pour pouvoir faire l'ensemble du Tigrou, comme ça ce sera fait. Je pourrais le faire avec vous si vous voulez, dites-moi si vous voulez. Parce que c'est pas sur toile imprimée, là c'est un point compté, ça veut dire que point compté, alors, toile imprimée, c'est la toile comme ça, hein, pour celles et ceux qui débutent. Alors toile imprimée, c'est ça. Et point compté, en fait, vous avez la toile toute blanche. Et c'est à vous de compter sur votre patron le nombre de croix qu'il vous faut de tels DMC et de pas bah, de les faire sur votre toile vierge en fait. Donc moi j'ai pris l'abonnement. Je vais pas vous cacher que je ne pense pas aller jusqu'au bout. Moi j'aimerais surtout le cadre là où il y a la mini dessus. C'est surtout ça. Donc après je sais que un numéro pour un personnage il faut deux numéros si j'ai bien compris. Puisque là pour donc le numéro 1 je l'ai payé 2 euros, 1 euro. N'importe quoi, je l'ai payé 1 euro. J'ai les fils pour commencer Tigrou. Et dans le numéro 2, donc là pour 2,99, je vais avoir le numéro 2 et le numéro 3. C'est l'offre de lancement. Je vais avoir dans le numéro 2 les fils pour finir Tigrou. Et le numéro 3, les fils pour commencer Dumbo. Donc le numéro 4, ce sera pour finir Dumbo. Et le numéro 5. Je sais pas pour quel personnage ça va être. Donc j'aimerais au moins le cadre là où il y a la mini. Après, si je suis obligée d'aller jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, je pense. Et j'ai rajouté les 1,50€ en plus par numéro.
pour pouvoir avoir les Disney vintage. Ce qu'ils appellent les Disney vintage. Alors en quoi vintage, je sais pas, mais pour avoir les Disney vintage. Donc, et ben, mais je reçois le vintage numéro 1 au cinquième envoi, je crois. Donc il va me falloir de la patience. Que je crois qu'il y a 27 envois quasi sûrs, puisque le dernier vintage, je le reçois au 27e envoi. Donc il y a 27 envois sûrs. Est-ce que j'irai jusqu'au 27 envoi? Je sais pas. Faut voir après vraiment ce que les cadres donnent. C'est vrai que. Alors je voulais attendre d'avoir tous les personnages du cadre numéro 1 pour pouvoir faire dans le même ordre. Parce que je sais pas si je peux le faire dans l'ordre. Je reçois Tigrou, je fais Tigrou, et puis ainsi de suite, et je les mets côte à côte. Ou. Je sais pas, je vais voir. Je vais regarder comment je vais faire. Mais une chose est sûre, c'est que dès que je reçois le numéro 2, bah, je vais commencer Tigrou, je vais l'attaquer. Parce que je préfère le faire quand j'ai tous les fils plutôt que que le commencer là. Et puis je peux barrer sur le patron, mais j'ai pas forcément envie de gribouiller sur le patron. Est-ce que je pars prendre une feuille à petits carreaux, le refaire, et puis je sais pas. Pas envie de gribouiller dans mes bouquins en fait. Après, c'est des petits fascicules. Je reçois un classeur tous les 20 fascicules que je paye en plus 7 ou 8 euros. Le principal, c'est que ça soit fait après. Donc, j'attends vraiment le numéro 2. Là, j'ai envoyé le papier la semaine dernière, enfin, vendredi dernier. Donc, je sais que ça va mettre du temps. Je sais que je vais pas le recevoir avant février. J'aurais dû le faire par internet. C'est pas grave. Et tant qu'à faire, ben, ma soeur s'est abonnée aussi, mais elle a pris là, elle a commandé à s'abonner, mais directement sur leur site avec le numéro 1. Et elle a pris le vintage aussi. Et je sais pas si elle reçoit que le numéro 1 ou si elle reçoit le numéro 2. Je sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas. Mais les classeurs, après, je sais pas si je vais les garder. Est-ce que je vais les renvoyer? Puis moi, me faire directement m'acheter un gros, gros classeur. Tout mettre dedans. Parce qu'apparemment, il faut que je regarde encore dans les papiers. J'ai regardé. Le renvoi du classeur est gratuit. Moi, si c'est ça, je vais pas payer le classeur. Je m'achèterai directement un gros classeur. Et je mettrai tout dedans, ce qui me reviendrait au même. Parce qu'après, le classeur, j'en vois pas l'utilité. Donc. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est de quoi faire mes cadres, de quoi faire mes personnages. Enfin, c'est le fil qui m'importe, le fascicule aussi, puisqu'il y a d'autres modèles à l'intérieur. Il y a d'autres modèles à l'intérieur, quelques petits modèles à l'intérieur. Donc, à la limite, ouais, ouais. Et encore. Classeur, je sais pas encore comment je vais faire. On verra. Pour l'instant, je me pose pas la question. On verra. Donc, hop, on va faire ça. Ensuite, ben, Covid, enfin, nouveau variant Omicron est toujours là. Hein. Mon fils rentre le midi qui me dit il y a un cas. Et le gamin est venu en cours, forcément. Fallait bien tout partager. Et donc, bah, test négatif. Donc attestation sur l'honneur. Et l'après-midi, il rentre pour me dire encore un camarade qui était positif, qui était en cours, mais qui ne savait pas. C'est à l'infirmerie qui a fait le test. Donc bah forcément là elle a été toute la matinée avec. Donc comment vous dire que Omicron commence à me courir sur le haricot? Parce
qu'il n'y a pas une journée où mes enfants au collège rentrent et me disent il y a un cas Covid, il y a un cas positif, il y a un cas machin. Donc là, ça commence à être bien chiant. Des fois, je me dis que est-ce que je les arrête pas et je les fais, ils font l'école à la maison. J'ai peut-être chopé tout ça. En même temps, je me dis que les cours, c'est bien mieux en présentiel qu'à distance. On verra. Pour l'instant, il n'y a pas de symptômes à la maison. Il n'y a pas de positif à la maison. On va toucher du bois pour que ça continue. Mais d'après mon médecin, ça va être dur de passer au travers. Alors, vivement que ça se termine, là. C'est pas prêt de s'arrêter, je crois. Enfin, bref. On va pas parler de sujets fâcheux. Hop. Donc après, il me restera le 12, la couleur 12, c'est encore du bleu. Je reste dans du bleu. Je reste dans du bleu. Oh, quasiment tout le carré, hein, c'est que du bleu. J'ai eu un peu de marron, là, marron bizarre. Un peu de rose, un petit chouïa de vert. Mais vraiment léger. J'aurai plus de rose en haut, enfin quand j'arriverai vers le haut. Et puis j'ai eu du rose là parce que j'ai commencé le bras. Le bras il est plié. Donc j'ai commencé le bras, donc hop. Je suis plutôt... Bon. Dire que je vais continuer du 6 sur 6, ça m'étonnerait fortement. Est-ce que là je vais pas continuer? Est-ce que là je pense qu'après je vais aller jusqu'au bout comme ça pour clôturer? Parce que je suis pas, je peux pas refaire 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez. Après, je suis pas un carré, une colonne près. Donc après, je vais voir, si je vais comme ça, je clôturerai directement comme ça, ce sera fait. Et après, bah, j'irai carré par carré. Elle sera finie quand elle sera finie. Forcément, c'est plus long que le point de croix, mais bon. Bon, ça ne me dérange pas. Hop. Des fois je fais pas de painting et je fais que ça. Des fois je fais que du painting et je fais pas de ça. Oui, j'essaie quand même de me faire au minimum un carré. Pour me dire ça y est, je suis contente, ça avance un tout petit peu. Donc après, faut que je fasse. Faut que je la fasse. Mais bon, elle va être sympa. Et après, je sais pas laquelle je ferai. Je pense que je vais faire mes poissons là. Je pense, je sais pas, je regarderai vraiment ce que j'ai dans mon bac. Mais parce que j'ai deux stitch, ouais, à moins que je fasse un stitch, à moins que je fasse le stitch pour ma nièce. Ben, je sais pas lequel je vais faire. Et je veux pas en faire deux deux en même temps, ça c'est sûr, c'est clair, c'est net. J'ai encore. J'ai toujours mes deux toiles que j'ai commencé en 2021, la Mario et mes pancartes que je n'ai pas retouchées, donc j'aimerais les avancer aussi. Donc il faut vraiment que j'avance le tout. Hop. Donc là ma couleur va être terminée. Hop. La couleur numéro 12, il faut que je la reprenne sur ma palette. Hop. Donc la couleur numéro 12, moi je vais la faire de mon côté. Ça fait une petite vidéo d'une vingtaine de minutes. C'était pour un peu blablater avec vous et vous montrer quand même l'avancée. Puisque quand j'avais fait la vidéo, j'avais commencé forcément la première ligne et je vous avais dit... que je ne savais pas si je l'aurais avancé ou si j'aurais fait que la ligne du bas. Mais au final j'ai fait la ligne du bas et bah, j'ai eu des partenariats entre temps, j'ai acheté des trucs à Action entre temps et j'ai fait du coloriage, donc il fallait bien que je vous fasse un peu de tout comme vidéo, que je vous montre mes partenariats, que je vous montre mes achats d'Action et que je vous montre un peu ce que je faisais. Là j'ai pour objectif de terminer pour l'année 2022, je me donne pas de temps,
Mais au moins d'essayer de finir le coloriage mystère, le tome numéro 1. Je dois être à 44% du livre. Quelque chose comme ça. Donc, que je l'avance, mais c'est vrai que je colorie nettement moins que je fais du puzzle, que je fais du diamond painting, que je fais mon point de croix. Donc, ma soeur va se remettre au point de croix aussi. On s'est dit que les trucs Disney, on pourra le faire peut-être, pourquoi pas, ensemble. Ou, en tout cas, on verra. Mais elle se remet dedans. Elle sait en faire. Elle en a déjà fait aussi comme moi quand elle était au collège. Puisqu'on n'a que 3 ans d'écart. Donc elle en a fait aussi. Hein. Elle m'a dit, j'espère que j'ai pas perdu la main. Mais je lui ai dit, c'est comme le vélo, tu montes dessus, tu pédales, tu en fais pas pendant 20 ans, tu remontes dessus, tu sais toujours pédaler. Donc bah, les croix, tu ne sauras pas toujours les faire. Voilà. Hop. Donc, elle a hâte de pouvoir recommencer. Donc voilà, on fait la dernière croix et je vais terminer la vidéo ici. Ah oui, petit dernier truc. J'ai enfin réussi à modifier mon compte. En fait, il y a un truc qui n'allait pas. Et j'ai pu, ça y est, j'ai mes cases communauté. Donc pour vous faire montrer mes produits terminés, ce sera des petites photos. Est-ce que je mets l'avancée aussi en même temps? Je ne sais pas. On verra. Par exemple, là, est-ce que je mettrai l'avancée de la toile de temps en temps? Je ne sais pas. Mais je vous mettrai à coup sûr en photo les produits terminés. Chaque produit terminé, commencé avec vous ou pas. Peut-être plus en particulier ceux que j'ai commencé avec, que j'ai fait un peu avec vous, hein, même si j'ai fait qu'une case ou quoi que ce soit, je vous la mettrai en produit terminé. Je vous la mettrai en photo. Donc ça y est, j'ai enfin pu avoir mon truc communauté. Donc voilà, donc moi je vais faire de mon côté ma numéro 12 et puis je vais voir si je continue un peu. Si je continue et voilà. Donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!